Bienvenue épisode 7 donc de Saga of Sins. On en est toujours dans les péchés. On en voit, on essaye de nettoyer le monde, mais pas trop. Alors, ouvrons l'arbre de compétences. Alors, moi j'ai bien envie d'acheter ça, mais je peux toujours pas, ça coûte cher. Ça coûte cher. Tinykin, j'ai bien aimé. Ah, monsieur Ping a bien aimé Tinykin. Ouais, il est cool, hein. Vraiment, il était très cool. Franchement, s'il y en a qui l'ont pas fait, faites-le, hein. Là, j'hésite parce que je pourrais encore améliorer ça, mais j'avoue, prendre de la vie, c'est cool aussi. Mais pour l'instant, non. Pour l'instant, on va rien améliorer. On n'a pas beaucoup. Il nous en reste que 4 niveaux à faire. Bon, attendez, on va essayer de faire un truc de plus ici. Alors lui, il nous en manque qu'un. Hein. Allez, faisons Glutwin. On va essayer de faire Glutwin. J'ai pas fait Tinykin, c'est quel genre? Bah c'est genre Pikmin. Genre Pikmin. Mais genre bien quoi. Non, c'est vraiment cool. C'est un jeu d'exploration aventure. Il y a des petits puzzles à résoudre. Pas compliqué, hein. Ça se fait super bien en famille. Pour ceux qui ont des enfants. Ça m'avait déjà saoulé la première fois. Ah, les ennemis volants, mais c'est une catastrophe dans tous les jeux. Hein. Je crois qu'il n'y a rien à faire. Voilà, obligé de faire ça parce qu'il me saoule trop. Ah, mais c'est abusé. Ah, ça, on n'est pas venu ici parce que de toute façon, on n'avait pas le pouvoir encore à l'époque. Non? Attendez, c'est une blague, on vient pas pour ça quand même là. Il y a un truc qui va pas là. Ça m'étonne. Je me souviens plus ce qu'il y a en bas. Ah bah voilà. Bah voilà. Il faut récupérer le coffre qui est en bas. Ok. Maintenant on sait. Récupérons quand même les dashs dans le doute. Ok. Il y a de la stratégie dans Tinykin. Pas vraiment, non, non. Tu récupères des petits bonshommes un petit peu. Non, mais c'est. Mais je te conseille, regarde sur la chaîne le premier épisode. Franchement, c'était. Alors le premier épisode, t'as pas beaucoup de pouvoir, c'est peut-être pas ultra représentatif, mais plus tu vas avancer, je crois qu'il y a 4 ou... Je sais plus combien il y a de sortes de Tinykin. Non mais attendez, c'est une blague là. Attendez, mais tu dashes bien. Mais c'est... Par contre le one shot, sur les piquants, un petit peu abusé quand même. Mais attendez, je me demande s'il n'y a pas un checkpoint plus loin. Il serait intéressant. Comme ça, ça m'éviterait de retraverser tout à chaque fois. Là, je l'ai fait. Ok. Vous savez que je l'avais même pas vu cette fois-ci. Alors, pourquoi est-ce que je peux pas y aller, là? Alors, on va essayer de trouver un checkpoint plus loin. Pour éviter de tout recommencer à chaque fois. Voilà, merci d'être passé. Magnifique, comme ça on reprend d'ici à chaque fois. Ça sera beaucoup plus simple. Et en fait, j'ai pas besoin de la vie.
Mais non, mais ça abusé là. Le timing, il m'a l'air chaud là. Ah mais de toute façon, je peux pas y aller. Il y a d'autres pics encore. Ah non mais attendez, c'est une blague. Ah si, il doit y avoir un moyen, mais attendez. Ouais, mais il va me falloir double dash en fait. Le problème, c'est que là, tu vois rien. Oui, mais reste en bas, là, parce que c'est chiant, en fait. Ok, ouais, je crois que j'ai pigé le truc. Ça va être méga relou. Hein. Au moins, on fait de la gold. Ah, j'ai pas fait comme il fallait la diagonale. Ah, le saut est compliqué. Ok, on y est arrivé. Ok, et du coup, là, c'est la merde, on peut pas repartir. Bon, on est mort, c'est pas grave. Du coup, c'est pas grave. Ok, le saut était pas simple. Ah oui, mais lui, du coup, je peux plus l'attaquer, là. Ah, il y a trop de monde. Faut que j'aille par où, là? Quoi le mieux là? J'ai dashé, mais il y avait rien à dasher, j'avais pas de dash. Ok. Ah bah ça on l'avait pas fait. Magnifique. Ouais, il va y avoir quand même un petit peu de... un minimum de challenge pour le 100%, j'ai envie de dire. Hop. Ok. Oh les merde. Hop. On n'avait jamais dû passer par là parce que on n'avait pas les... Bah si, celui-là on l'avait de coffre. Alors pourquoi est-ce qu'on n'avait pas les autres? Pourtant clairement ils étaient sur le chemin. Là-haut, il y a des trucs à allumer. On a vu un candélabre là-haut à allumer. Ah. Ok, il y en a d'autres là-haut. Non, je pense pas. J'en ai vu un en bas. Magnifique, superbe. Nickel! Hop là, superbe. Ah, pour refaire les niveaux, il y a de quoi quand même s'amuser. Hein. Après, j'avoue que j'oublie souvent de... Il m'a saoulé. Hop, merci. Ok, est-ce qu'on l'avait fait celui-là? On l'avait fait.
On l'avait fait. A priori. Je pense qu'on en a fait pas mal là. Sur celui-là. Celui-là, je pense qu'on en a fait pas mal. Sur 7, à lui on l'a racheté du coup. Non, je veux pas. Ok, mais c'est ouais, il faut juste que je récupère tous les fruits. Il faut récupérer de nouveau tous les fruits. Ok, pour refinir au moins tous une fois. D'accord, on l'a fait en entier, donc lui c'était cool. On va pouvoir améliorer notre pouvoir. Ouais, il y a moyen de farmer quand même. Il y a moyen de farmer assez easy. Tu gagnes quand même assez rapidement de la gold. Après les 27 000, là, ça m'a l'air assez fumax quand même. Hop. Les niveaux sont bien designés. Il y a pas mal de références perso. Je l'ai adoré. Ma fille aussi, Fred. Ratchet & Clank. Ratchet & Clank, effectivement. Mais non, mais ça je vends. Alors, du coup, non, mais là, j'ai pas assez. Ouais, il faudrait un troisième dash, du coup. Alors, le peintre. Allons voir le peintre. Honorable Hieronymus, votre apprenti, Melchior, est-il un bon élément de votre atelier? Le garçon n'a aucun talent, aucune minutie. Il est incapable de tenir un pinceau ou un ciseau sans trembler. Ah ouais, mais c'est pas sympa, ça. L'heure est venue de me débarrasser de lui et de trouver des artistes dignes de mon atelier. Astro Playroom, moi j'en ai entendu que des bons retours. Et c'est pour cela que vous avez abîmé ces œuvres. Moi j'ai pas de PlayStation donc je l'ai pas fait. Mais j'ai entendu que des bons retours de ce jeu. Comment le sais-tu? Peu importe, son travail est contraire à l'éthique artistique. Mais vous vous appropriez la création et la propriété de ces autres tableaux. Je te connais depuis ta naissance. Tu n'as jamais été qu'une fripouille. Ah ouais, je n'ai jamais compris pourquoi Ulrich t'a pris sous son aile. Maintenant sors de mon atelier. Le maître craint d'être dépassé par son élève. Mais votre nature jalouse vous empêche de le reconnaître. Ok. Ah, faut que je revoie. Peut-être dans le truc d'avant, j'ai fait le boss. Ah, peut-être que je peux faire le boss, là, maintenant. Ah bah, on a le boss de l'envie, déjà. Corruptus. Ah non, on va y avoir des machins sur les côtés, là. Je tire dans le cœur là, vous croyez? J'ai l'impression de rien faire. Hein. Est-ce que vous avez l'impression que je fais quelque chose? Il a l'air d'éclore là. Ah oui, là, ça a l'air mieux. Effectivement. Ah ouais, fallait que je le shoot au feu. Ouais, ça va, c'est pas trop dur. En fait, quand tu fais pas le mec pressé... Ça va. Attendez. Ah mais faut que je les shoote eux, non? Par contre là faut que je fasse quoi? Je comprends pas ce qu'il faut faire là. Ok, faut juste que... Hein?
Et comment on sait quel pouvoir il faut utiliser? Ça, j'ai pas compris. J'ai pas compris que... S'il va être bien... Bah, on sait pas. Ouais. Je sais pas s'il va être bien, Bat Boy. Mais on verra. C'est ça, toute la surprise. Il faut pas savoir à l'avance. Moi, j'aime bien ne pas savoir. Le plaisir de la découverte. Ah mais non, c'est le griffon. Ah mais ça y est, je viens de voir les tableaux. Je viens de comprendre qu'on faisait le peintre et que les tableaux nous donnaient les indices. Ça y est, je viens de comprendre. Je viens de comprendre. Donc là, faut que je prenne le fire. Oh non, mais qu'est-ce qui m'a touché là? Oh putain, ça y est, je viens de comprendre. Là, c'est le loup-garou. Oui, mais là, par contre, je suis trop mauvais. Oh non! Encore la lune? Non, c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? J'ai pas ça. Qu'est-ce que c'est? C'est le feu. Oh putain, il est chaud lui! Oh la vache! Bah, ça devrait aller mieux là. Il faut que je sois un peu plus prudent. En vrai. Parfois, je me fais toucher par des flèches, je les vois pas en fait. C'est surtout ça. Donc, ça, c'est le feu. Alors, jusqu'ici, tout va bien. Je pense qu'on va avoir droit à lui, ouais. Là, il y avait une safe zone. Là, faut quand même toucher jusqu'en haut. Ah, oh, attends, là, je me suis fait toucher comme un gros noob. Oh, qu'est-ce qui m'a touché là? Non, là, je suis pas d'accord. Non, c'est pas le griffon. Qu'est-ce que c'est? Si, c'est le griffon. Là, c'est le feu, on est d'accord. Oh, c'est chaud. C'est bon. Allez, je pense qu'il en reste un ou deux. Non, on l'a eu. Ah ouais, c'est bien mieux que le faux boss. Mais les boss sont pas difficiles, vous voyez. On est. C'est juste que moi, je suis une grosse kick, mais sinon, ouais, ils sont pas ultra difficiles. Hein. Moi, je suis pas très bon. Hein. Faut pas se mentir, mais non, ils sont pas ultra difficiles. Mais voilà. Après, on n'est pas en hard. Hein. On est en normal, nous. Comme d'habitude. Mais très cool. Ouais. Il était bien mieux, le faux boss de tout à l'heure. Mais qu'est-ce que c'était nul. Oh, ce truc de double. La doctrine interdit l'adoration des fausses idoles, mais nombreuses sont celles qui sont promues par ta foi. Les anges, les saints, le clergé. Ils sont représentés par des icônes, leurs noms sont chantés, leur sainteté célébrée dans des prières. Mais comment vérifier leur authenticité? Comment distinguer les vraies et les fausses idoles? Bonne question. Écoutez, on est revenu ici. On n'a pas de thunes. On n'a pas de thunes. J'ai pas assez de... Ah, j'en ai 8 et mon faux 10. Oh, le dernier pouvoir, on va mettre 1000 ans à le récupérer. Non, ce que je voulais voir, c'était ça, les pêcheurs, là. Parce que là, on a fait ça. L'avarice, c'est réglé. On est beaucoup trop fort. Oh, j'ai tout fait, l'envie. Cool. Ah là, j'ai presque tout fait. Là. On n'a pas été mauvais. Attendez, il y a un boss, je crois qu'on l'a... Attendez, là, on a fait les 4 premiers. Cool. On a fait les 4 premiers. Lost Wind. L'orgueil. Ah, mais l'orgueil, on peut aller... Ah non, il nous reste l'orgueil. Il nous reste l'orgueil 2, le boss.
et la colère. Ok, il nous en reste que 3. Il nous en reste que 3. Ouais, le reste, on a tout fait, on est d'accord. Donc. Et lui, par contre, chaud, hein. À mon avis, il va nous falloir plus de dash encore. Il y a beaucoup de monde là. Est-ce qu'on observe les étoiles ou est-ce qu'elles nous observent? Bonne question. Je ne vois pas ce que tu veux dire. Selon d'anciennes croyances, les étoiles exercent une influence sur nous et peuvent même prédire l'avenir. Pas l'hiverne, mais peut-être que ces superstitions ont un fond de vérité. C'est-à-dire. Et si elles avaient réellement une influence sur nous, mais d'une nature plus physique? Et si le soleil attirait la Terre, tout comme la Terre nous attire, sans qu'il n'y ait jamais de collision? Comme bloqué dans une danse cosmique éternelle. Oula. Ça me paraît un peu tiré par les cheveux, Isaac, mais continue, je t'en prie. Alors, donc ça doit être un esprit bien cool. Oh non! Oh non! Oh non, je déteste ça. Oh, ça, j'y arriverai jamais. Oh là là. Quel enfer! C'est un enfer! Oh, je déteste! Faut que je me mette la tête à l'envers, vous croyez? Non, je vais pas faire ça, je vais avoir l'air con. Marqué, je sais plus pour quel jeu je l'avais fait, ça. De me mettre la tête à l'envers. Oh là là. Attendez, mais là, ça veut dire qu'il faut... Ah ouais. Donc faut faire les dashs vers le bas. Oh, quel enfer. Non, attendez. Ah non. Ah non. Ah du coup le dash faut le faire vers le bas. Mais quel enfer. Et dash vers le bas inversé, hein, bien sûr. Donc là faut se baisser. Non, si je me baisse, ça s'abaisse. Oh là là, quel enfer. Attendez, non, je le fais. Je le fais, rien à foutre. Ouais, ça va être chaud quand même. Hein. Ça va quand même être chaud, là, je vous le dis. Hein. Oh putain, je sais pas comment je suis arrivé là. Oh magnifique. Oh magnifique. Oh bah là, je crois que c'est bon. Je suis arrivé là un peu par hasard. Hein. Oh putain, on a eu un fragment. Ça, c'est cool. Parce que dans les innocents, on n'a eu qu'un fragment sur les 3. Hein, et on a débloqué tous les... Non mais il y a le chien qui en a un, c'est sûr. Et Egbert, il doit en avoir un. Egbert, il était trop chiant. Egbert, c'est sûr, il en a un. Oh là là. Ah non, non. Oh, c'était chiant. Bah on y est arrivé, hein, on y est arrivé. Noble croisé, tu es venu au bon endroit. Mais je pense qu'on a tout récupéré là pour le coup. Laisse-moi te vêtir de ce cuir à la qualité d'égaler dans notre monde. Il a de l'orgueil, lui. J'apprécie le geste, Tanner, mais les croisades font partie du passé. Alors que dirais-tu de coussins pour les bancs de l'église? Tu ne trouveras ce cuir nulle part ailleurs. Mais ils se vendent beaucoup. Ils se vendent beaucoup. Quiconque prétend mieux travailler le cuir que moi n'est qu'un menteur. Je me souviens des autres choses que tu m'as vendues avant mon voyage en Terre Sainte. Ils se sont déchirés au bout de quelques jours. Arrête donc de te plaindre, de nombreux clients renommés apprécient la qualité de mon travail. Ton orgueil serait pardonnable si tu avais du talent, mais ton arrogance sonne faux. Ok, on va lui déchirer la tête. 111 coffres pour débloquer un secret déjà décomposé. Comme ça. Par contre, les niveaux, ils sont beaux. Hein. Franchement, les niveaux sont magnifiques. Hein. Les pans, putain, les... Alors, le bestiaire est pas ultra varié, mais... Oh non! Mais il y a quand même quelques bonnes surprises. Vous prenez les pans, par exemple, qui sont... font partie des bonnes... Mais il meurt pas, lui. Quand même.
Oh, il avait tenté de me mettre un petit coup de serpette, lui. La thune, on en a besoin de la thune. Faut pas déconner avec la thune, hein, les gars. Ah non, ça va être chiant, faut aller jusque là-haut. Oh, le truc de fourbe! Oh, le gros truc de fourbe, là. Oh, j'ai pris une boulette. Oh, c'est quand même un sale truc de fourbe, là. Ouais, je peux le choper d'ici, le truc de feu, ça m'arrangerait en fait. Ah, je tente. Ah, je suis un pixel master, mais c'est pas bon. J'ai oublié de double sauter. Non, non, mais on va le faire, hein. On va y arriver, je vous le dis. Alors, on peut appeler ça soit de la persévérance, soit de la bêtise. C'est vous qui choisissez. Appelez ça comme vous voulez. Ah non, j'ai oublié. Ah, je panique. Putain, j'ai oublié qu'il allait me tirer dessus. Allez, monte! Oh putain, j'avais oublié ça. Oh, j'avais oublié qu'il y avait les trucs après là. Non! Non! Ah, il faut que je me fasse un max d'ennemis pour avoir mes deux dashs. Je sais même pas si c'est possible en vrai d'avoir les deux dashs là. Si, c'est faisable. Allez, bonne nuit, Jean. On l'a fait. Bon, maintenant, c'est la merde pour repartir. Bon, ça va, c'est passé. Oh, nickel. Oh non, c'est inversé. Oh, quel enfer. Moi qui a beaucoup de thunes. Bien sûr qu'il y avait une porte cachée, évidemment. Superbe. Hop là. Et merci d'être venu, Jean. Ça fait toujours plaisir. Et comment je les casse des... Ah si, avec mon loup. Ça sert bien à grand chose, mais on le fait quand même. Ah oh bah, il est tombé. Oh, il m'a fait mal. Il m'a refait mal. Et il meurt jamais. Il meurt jamais. Quel idiot. Mais c'est un idiot. C'est un idiot, ce machin. Avec lui, il meurt direct. Oh putain, la vache.
Ah mais j'ai même pas le dash, putain, quel enfer. Il n'y a même pas un coffre ici. Oh mec, quel truc de merde. Ok, donc là il y a quelque chose. Là, il y a la suite du chemin, donc faut que je retourne de là. Il y a des trucs à trouver de là. Ok. Forcément qu'il y a des trucs à trouver. Évidemment que c'est inversé. Oh, je déteste les trucs inversés. Oh, ça me saoule. Ah, puis ils en abusent de la... Non, mais en vrai, je pourrais... Ah, mais en vrai, je peux faire comme ça. On va le refaire. En vrai... Ah mais c'est inversé ça aussi. Oh du coup j'ai perdu mon truc. Non mais en fait le temps que je réagisse c'est... Oh putain c'est bon. Oh. Oh la vache. Oh je déteste ces trucs. Salut Nuts. Comment vas-tu? Oh ça y est, on y arrive, on y arrive. Je suis pas venu là. Ben, on a dû rater un million de trucs, mais ils sont bien les niveaux. Hein. Honnêtement, celui-là il est cool. J'ai l'impression qu'il y avait plein de chemins qu'on a raté du coup. Bon ça va, il est bloqué par un canapé lui. On a eu tout le monde. Aïe! On met un petit coup de serpette. Oula! On l'a vu. Non, il n'y avait rien. Ça passe pas là? Faut faire absolument un dash. Ah si ça passe. Ok. On a tout allumé là. Ça a l'air d'avoir rien fait. Très content. Et vous tous? Oh bah nous ça va, ça baigne. Hein. Ça baigne comme toi. Écoute, on est... On est là. Je sais pas où on va, mais on y va. Ok, encore un checkpoint. Il y a beaucoup de checkpoints. Hein. Danger de mort. Il y a des trucs en dessous ou pas? Ouais, il y a le vide. Ah, oh, c'est encore ceux-là. Ça, c'était chiant, ça, je crois, hein, si je me souviens bien. Ah, c'était légèrement différent là. Oh, t'as le relou. Oh! Je suis tombé, mais attendez, mais le double saut il a pas fonctionné là, c'est pas possible. Ah ouais, mais d'accord, j'ai pris le truc. Ouais. Oh, bah attendez, mais il y en a combien à faire des.
Des lampadaires là. Il meurt jamais lui. Ouais, il y en avait un autre en dessous du coup qu'on n'a pas fait. J'ai peur de tomber au mauvais endroit à chaque fois. Bah, c'est le vide. Hein. Ouais, c'est le vide. Ok, il y a beaucoup de luminaires. Hein. On a tout allumé là. Oh. Donc si j'écris plus, c'est que je me suis endormi. Ah bah. Bah bonne nuit, le cas échéant. Ah t'as, il y a l'autre loup là. Oh putain, il a failli m'avoir. Allez, comment vous... Ah, mais si, putain, faut que je monte avec un dash là-haut. Attendez, il y a un truc là-bas. Oh, quel enfer! On a eu de la chance, on a eu de la chance. Je crois qu'on n'est pas à plaindre. On aurait pu faire pire. Attendez, c'est possible là de monter? J'ai l'impression que c'est pas possible. Bah, sans déconner, c'est possible sans dash? Il bah, faut que j'aille tuer un ennemi ou quoi? Non, parce que là, après, je peux plus remonter, là. Ah ouais, là, c'est maximum relou, non? Salut, Julien! Non, attendez, là, c'est un enfer. Là. Non, mais il doit y avoir un passage, là, c'est pas possible. C'est vrai qu'il y a un truc qu'on a raté, là. Putain, tout à l'heure j'ai raté à cause de mon... Oh putain, non. Dites-moi pas que c'est ça quand même. Oh si c'est ça, c'est l'arnaque là. Oh je suis dégoûté. Comment j'ai fait? Ok. Ok. J'allume tout, hein. Je sais pas pourquoi. Fais-moi pas tomber. Ah, oh, j'ai plus de vie. On a chopé plein de life. Ça servait à quelque chose. C'était écrit quoi? Maria et Draco? Wouah. Le mouvement pour les... Ah bah ouais, là, si tu regardes les... Mais ça fait 13 Castlevania, d'ailleurs, ces chandeliers. C'est vrai que j'y pensais pas depuis le début, mais... Bah, je crois qu'on a chopé le truc, hein. Ouais, il y a quelque chose de Castlevania dans ce jeu. Ah, c'est vrai que j'ai ça. C'est vrai que j'ai ça aussi. Putain, on va crever. ...79 coffres sur 111. On devient presque bon.
Oh là là. Ah, le niveau est bon. Hein. Le niveau, c'est dommage, parce qu'il y en a vraiment deux ou trois qui sont vraiment sympas. Hein. Ah non, ça va être inversé, là. Évidemment. Mais quelle idée à la con de mettre les machins inversés, là. Oh non, c'est pas possible. Oh, ça me les brise. Hein. Ah, puis là, ils en abusent. Là, c'est que là, même si je veux le faire... Ah, attendez, parce que là, faut déjà que j'arrive à... Non, mais moi, j'ai vraiment les trucs, là, pour moi, c'est... Hop, là, c'était sûr qu'il y avait un coffre, là. Pourquoi il y avait un ennemi, ici? Magnifique. Magnifique. Du coup, je croyais que c'était encore inversé, mais non, pas du tout. On a eu le fruit. On a eu le fruit. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Parce que si bien on va conclure l'épisode 7 là-dessus. Hein. Pourquoi les hommes sont-ils si obsédés par l'Armageddon? Pourquoi la fin du monde vous paraît-elle si fascinante et terrifiante? Vous prétendez lutter contre la calamité tout en l'incarnant avec arrogance. C'est ça, hein. Depuis le début, c'est vraiment le thème principal du jeu. Mais vous ne comprenez rien à l'apocalypse, pour vous ce n'est qu'une histoire qui fait peur. Prenons l'exemple du vitrail de cette chapelle. Une révélation kaléidoscopique et colorée dans un monde gris et sombre. Si seulement vous aviez conscience de la vie qui vous guette, de l'imminence de la fin de tout. Soit. Oh. Là, du coup, je vais avancer dans l'autre sens maintenant. Attends, on va prendre des PV parce que j'avoue que les PV, ça descend à une vitesse assez folle. Ah, je peux pas le prendre celui-là, je suis obligé de prendre celui-là d'abord. Oh. Ok. On va descendre. Bah écoutez, on va finir l'épisode 7 là-dessus et nous, on va tout de suite tourner le 8 pour s'éclater parce qu'il nous reste quand même pas grand-chose. Comme ça, je pense qu'on va arriver au bout du jeu. Il nous reste deux niveaux. Bah écoutez, on va se faire les deux niveaux. Donc fin de l'épisode 7 pour ceux qui sont en rediff. Et ben, on se revoit bientôt. Hein. D'ici là, bah, comme d'habitude, soyez sages, dormez bien et à bientôt.